J'ai intégré le réseau Système Partner d'abord pour le professionnalisme. Je démarrais dans ce métier-là. Moi, je suis plutôt dans le rapport à la qualité de vie au travail et puis le rapport humain. Et donc, tout ce qui était en lien avec les normes, je découvrais. Et donc, j'avais besoin de structure et donc de professionnalisme. Et donc, ce qui m'a plu, moi, c'est le partage. Ce rapport au partenariat, j'avais moi-même lancé mon entreprise et j'étais un peu seul à faire ce que je faisais. Et donc là, j'ai trouvé un réseau avec des gens humains. Et donc, ça fait plaisir, quoi. Voilà, pourquoi les clients système partenaire nous choisissent? Des retours que j'ai, c'est la pertinence et le rapport à la performance. Toutes les personnes qui interviennent dans le réseau sont des personnes qui ont de l'expérience, puis elles ont une manière bien spécifique. C'est pas du copier-coller. Donc je pense que les clients viennent pour ça. Et puis, de fait, derrière, c'est la performance que ça leur apporte. D'ailleurs, la plupart des membres du réseau du système partenaire ont des clients qu'ils entretiennent depuis de nombreuses années. Ils essayent bien sûr de faire rentrer de nouveaux comptes, mais il y a une sorte de fidélité qui s'est créée justement par cette pertinence et par cette performance et puis leur personnalité, tout simplement. Il y a trois chiffres qui sont à retenir, en tout cas dans mon domaine d'expertise. Le premier, c'est que 10% de qualité de vie au travail, c'est plus facile à obtenir que 1% de performance économique. Donc ça devrait faire réagir tous les décideurs, tous les leaders, peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit une PME ou que ce soit un grand compte. Le chiffre moyen pour une entreprise en France, c'est 28 000 euros par an et par salarié qui est perdu soit dans une mauvaise organisation, donc quelque chose qui n'est pas biomimétique, soit dans des arrêts de travail et des problématiques liées au mal-être. Et le dernier chiffre, c'est que tout ça, à l'échelle de la France, ça représente, juste pour le secteur privé, plus de 500 milliards perdus par an. L'investissement dans la qualité de vie au travail, dans la communication, dans les équipes, dans la gestion des émotions, dans le biomimétisme de l'entreprise et l'harmonisation, ça a un vrai coût. Et ce coût, c'est 28 000 euros par an et par salarié et 500 milliards, juste pour le secteur privé. Donc pour ma part, mon domaine d'expertise dans le cadre de Système Partenaire fait intervenir, on va dire, cinq grands piliers. Le premier, c'est clarifier la vision. Moi, je travaille en transversal. J'interviens sur l'humain et sur le travail vivant, sur le fait de mettre de l'harmonie au sein des structures et notamment par un outil qui s'appelle le biomimétisme des organisations. Je travaille sur le lien entre chaque personne et donc je travaille sur la communication non violente principalement et sur les échanges authentiques. Donc faciliter les échanges parce que lors de transition, de refonte, de grossissement d'entreprise, c'est toujours l'humain qui frotte parce que quoi qu'on en dise, la machine économique, même à l'heure de l'IA, ne peut pas tourner sans le travail vivant, sans l'humain. Et puis du coup, des fois ça frotte et ça frotte dur. Donc je fais également de la gestion des émotions. Et puis depuis peu, j'ai essayé de m'accréter quand même au fondement du réseau et donc je peux faire des diagnostics sur la qualité, donc en ISO 9000. Concrètement, les prestations que je peux réaliser au regard des piliers que je vous ai présentés précédemment, c'est de la communication non violente au sein des entreprises, des organisations. Je peux mettre aussi mes compétences par rapport à la gestion des émotions et l'accompagnement de l'humain, donc que ce soit en individuel ou dans le collectif. C'est des diagnostics en biomimétisme, c'est-à-dire ma spécificité, c'est d'appréhender une entreprise comme un corps humain, à savoir si un corps humain est en bonne santé, est-ce qu'une entreprise est en bonne santé. Et puis, j'accompagne aussi en diagnostic sur l'ISO 9001 par rapport à de la qualité, et donc notamment par rapport à du coaching de dirigeants sur le côté leadership. Ça fait un package complet, donc j'accompagne l'humain sur ces grands thèmes-là.